Salut à tous, c'est Sifax. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va essayer de s'échapper à l'école de Caillou. Donc c'est lui Caillou. Et du coup aujourd'hui on va essayer de s'échapper de l'école de Caillou. Donc là ils nous ont dit quoi? Il faut prendre je crois les 3 cubes ici. Et avec les cubes il faut les placer là-bas pour monter dans le conduit d'aération. Donc on va les poser. Ok, let's go, j'en ai posé un. Il faut en mettre 3 pour pouvoir monter. Donc là je prends le deuxième. Et là le troisième, bon je vais aller le déposer. En vrai cette étape elle est pas si compliquée que ça. Tac, je viens de le poser. Oh quoi, je suis bloqué dedans les amis, regardez. Donc je vais réinitialiser le personnage. Donc là c'est bon, j'ai respawn. Maintenant je suis passé dans le conduit d'aération. Je vais me mettre à première personne. Ok, donc là on doit descendre, on est dans un conduit d'aération. On doit marcher pour s'échapper de là. Ok, on va passer par cette trappe. Let's go. Wow, regardez, on est dans les couloirs de l'école les amis. Donc aussi pour tous ceux qui ne le savaient pas, Caillou c'est celui du dessin animé Caillou. Et donc là il est très méchant, donc on doit essayer de s'échapper de son école. Donc ça c'est quoi? Oh, il y avait une balle géante qui est arrivée vers nous. Donc là il faut esquiver la balle. Oh regardez, oh elle est très grande les amis. Il faut l'esquiver, il faut pas la toucher, puisque si on la touche les amis on va mourir directement. Vite, il faut que je me cache. Let's go, là je vais direct. Donc je pense c'est à gauche pour la sortie définitive. Ah non, c'est à droite, regardez, je vais aller vite là bas Ok, tac tac, let's go, j'ai réussi les amis. Oh, il y a une échelle, elle est ultra grande, donc là on va la monter. Ouah, c'est quoi cette pièce les amis? Je crois qu'il faut appuyer sur des trucs comme ça là, mais je sais pas trop ça correspond à quoi. Bon, je crois que c'est juste des objets. Donc là on doit appuyer sur ça. Ok, ouah, ça a mis des trappes. Ouah, c'est beaucoup trop bien. Donc on continue. Oh non, je suis tombé. Donc là je recommence, tac tac. En vrai je suis mort pour rien les amis, puisqu'en vrai je suis tombé bêtement. Donc on continue. Là il faut esquiver les lasers rouges. Ah là aussi il y a des lasers rouges. Oh non, bon je les ai touchés sans faire exprès. Je pensais pas que ça allait nous toucher. Tac, là j'y vais. Oh non. Donc les amis, je suis mort 2 fois. Donc cette fois-ci, je vais essayer de réussir sans mourir. Regardez bien. Cette fois-ci, vous verrez bien. Je vais réussir. Let's go, je réussis les amis. Donc il reste ce dernier laser. Lui, il est un peu plus compliqué. Mais en vrai, ça va. C'est pas trop compliqué non plus. Donc là, j'ai pris la porte ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut passer dans les portes ici. Et appuyer sur les boutons qui sont sur les murs. Donc là, on a actionné un bouton sur les 3. Il y en a 3. En vrai, ça va. Il faut juste changer de pièce pour appuyer sur les boutons. Il n'y a rien de réellement compliqué. Donc là on va sur cette porte là. Qu'est-ce qu'il y aura? Wow, par contre là c'est hyper haut. Tac, let's go. C'était le plus compliqué et encore il était quand même facile. Donc là on passe dans la porte ici. Et là c'est quoi? C'est un labyrinthe les amis. Donc on va essayer de s'échapper de ce labyrinthe. Donc j'ai une technique pour les labyrinthes. Il faut toujours rester sur le chemin de droite. Donc il faut coller le mur de droite et un moment on va trouver. Comme ça on se perd pas. Donc là je vais y aller. Allez vite les amis, ok. Et aussi j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à mettre vos pseudos dans les commentaires de la vidéo. Comme ça je vous ajouterai en ami dans Roblox. Donc mettez tous vos pseudos dans les commentaires de la vidéo. Comme ça on pourra jouer ensemble, faire des vidéos ensemble, etc. Vous pourrez jouer avec moi. Donc là j'ai réussi le labyrinthe. Là c'est un autre labyrinthe. Donc c'est dans un conduit d'aération cette fois-ci. Ok, tac tac. Là je passe par là. Non, je crois si c'est par là, ok. Là on continue les amis, let's go. On arrive ici, donc on va passer par là. Ok, là on est où les amis? On est dans la cuisine un peu. Wow, regardez, il y a Caillou. Il court derrière nous les amis, il est trop terrifiant Caillou. Faut vite qu'on parte d'ici. Donc la porte elle est juste devant nous. Wow. Oh non, la porte elle est fermée les amis, j'ai cru qu'on allait réussir à s'échapper. Oh, il est où Caillou? Oh, il est dans le coin là-bas. Donc il faut que je trouve la clé, elle est juste ici. Wow, ok, c'est bon, je la prends, tac tac. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent faire la vidéo, elle se trouve dans la description de la vidéo si vous voulez la faire chez vous. Et dans la description, il y a aussi mon groupe Roblox. Enfin, j'ai réussi les amis à m'échapper de la cantine. Donc là, on saute comme ça par-dessus les pics rouges, tac tac, let's go, j'ai réussi. Là, c'est une porte, wow. Par contre, on se croirait vraiment dans une école. Oh non, je suis mort les amis. Donc on retente, tac, let's go, j'ai réussi. Ouais, donc là je prends le checkpoint ici. Oh, il faut faire quoi? Ah, oh, j'avais pas compris. En fait on a une hyper vitesse et je crois qu'il faut sauter sur ça. Ouais, c'est ça, let's go. Parce qu'en fait le verre on dirait c'est du liquide toxique. Tac tac, let's go, j'ai réussi. Donc ça c'est quoi? C'est de la lave, donc il faut sauter comme ça et pas toucher la lave, parce que la lave c'est très brûlant, on risque de mourir sinon. Quoi? Il fallait pas marcher sur les cahiers. Ok, oh on respawn ici. Ok, je crois que j'ai
raté un checkpoint. Ouais, de toute façon, j'avais raté le checkpoint de la lave. Donc, on va prendre le checkpoint ici. Ok, nasser les cahiers, esquiver. Bon, en vrai, il n'y a rien de compliqué. Tac, tac. D'ailleurs, il y a 27 niveaux. J'aimerais bien savoir, on est niveau combien, les amis? On est niveau 15 sur 27. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près... Ouais, on a dépassé la moitié. Donc là, c'est quoi ça? On dirait de... Des pots de colle, on dirait... Non, c'est pas de la colle. Comment ça s'appelle? Je crois de la pâte à modeler. Voilà, on dirait des pots de pâte à modeler, les amis. Donc là, on passe... Oh, let's go. Non, enfin, j'ai pas réussi. J'ai raté, les amis. C'est vraiment dommage. Donc là, je retente, ok. Là, je vais... Là, je m'arrête. Et là, je vais vite, vite, vite. Ouais, let's go, les amis. Donc ici, il y a une porte à droite. On va prendre la porte. Il faut interagir comme ça. Ok. Et là, on doit passer par là. Non, j'ai pas trop compris. On va voir si la porte ici, elle est ouverte. Non, elle est encore fermée. Ça veut dire un deuxième bout à gauche, donc on y va. Là on passe pas où, on dirait un petit labyrinthe. Donc là il faut sauter, tac, let's go. Là j'appuie et là on peut partir directement, mais c'est vraiment bien. Donc normalement on va arriver dans cette porte là quoi, mais ça veut dire que ce chemin aussi marchait, sauf que je me suis trompé au début. Bref, j'ai passé par la porte là. Waouh, en fait il faut marcher comme ça. Et regardez les amis, si on saute on meurt direct, puisqu'il y a des lasers au-dessus de nos têtes. Donc là on marche tout droit. Oh, le pont il est en train de tomber derrière nous, les amis. Waouh, j'ai vraiment eu énormément de chance. Oh, let's go. Non, j'ai raté. Bon les amis, du coup je vais retenter. Là je vais sur la plateforme. Ok, let's go, je vais ici. Non, donc je retente, tac, je vais là. Maintenant je vais là. Ok, je vais ici. Non, cette épreuve elle est un peu compliquée, mais en vrai ça va. De toute façon j'ai pas fait beaucoup d'essais. Du coup je vais retenter. Cette fois-ci je vais réussir. Je le sens que je vais réussir. Tac, par là. Ouah, vite. En plus c'est bugué bizarre, les amis. Ouais, let's go. Ouais, j'ai réussi, les amis. Enfin. Donc ça c'est quoi? C'est un toboggan en glace. Ok, donc là j'ai réussi. On se lève. Ouais les amis, c'est beaucoup trop bien. Et je voulais vous dire, si la vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si elle vous plaît encore plus, mettez des likes les amis. Et abonnez-vous avec la cloche des notifications, comme ça vous allez être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc en ce moment je fais deux vidéos par jour. Une à 11h15 et une autre à 17h30. Mais des fois je la mets plus tôt, donc ok. Là il faut prendre... ça, les planches, et on doit les poser ici pour faire un chemin. Tac, ok, j'en ai posé une. Quoi? Elle s'est pas posée. Ok, faut que je la mette dans ma main, en fait. Donc là, j'en ai pris une. Et là, c'est la deuxième. Donc, on va aller déposer la deuxième. Donc là, je viens de la déposer. Ok, let's go. Donc là, on va prendre le checkpoint ici. D'ailleurs, c'est trop bizarre parce que tout est en bois. Tout est couleur bois. Je comprends pas trop. Bon, bref, on continue. Là, il faut esquiver les petits bouts de bois et pas tomber dans le laser rouge qui est en bas. Parce que ça m'a l'air d'être très dangereux. Je suis mort, mais non. Donc là, je retente ce niveau, du coup, puisqu'on recommence de tout là-bas. Donc là, cette fois-ci, je vais essayer de pas me fail. Donc, je vais réussir direct. Regardez. Tac, wow, les amis, non, j'étais à 1 cm. Tout à l'heure, mon pied dépassait à 1 cm, mais non, donc je suis obligé de recommencer. Cette étape, elle est un peu compliquée. Donc, regardez, cette fois-ci, je vais réussir, j'en suis sûr à 100%, les amis, regardez. Tac, puisque en vrai, je suis mort beaucoup trop de fois cette fois-ci, je pense pas que je vais rater. Let's go, je réussis. Donc là, oh quoi, la porte, elle est bloquée, on dirait. Ah, c'est bon. Ok, en fait, la poignée ici, elle nous fait bloquer, bizarre, vous avez vu. Tac, maintenant, on prend le checkpoint. Ouah, y'a Caillou, le boss, il est devant nous. Donc là, on doit le tuer. Oh, regardez, j'ai raté le coup. Quoi, il m'a tué, comment ça se fait? Peut-être c'est parce que j'ai lancé la roquette sur moi sans faire exprès. Tac, ok. Mais pourquoi il se prend pas les dégâts, les amis? Je comprends pas. Donc, j'ai lancé sur la tête, quoi. Je suis mort, je me suis pris ma propre roquette. Bon, les amis, depuis tout à l'heure, je suis en train de le mettre des dégâts, mais on dirait qu'il perd pas sa vie, regardez. Vous avez vu, il perd rien comme vie, je comprends pas. Ça veut dire peut-être la map, elle est buggée, mais j'ai pas envie qu'elle est buggée. Donc là, ça fait vraiment, je crois, environ 5-10 minutes que je suis en train de tirer sur lui et ça lui fait rien. Bon, je pense que la map, elle est buggée. Donc les amis, la vidéo, elle est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, je vais vous laisser. Et à regarder mes autres vidéos qui apparaissent en fin de vidéo. Maintenant, je vais vous laisser. Allez, ciao!